Oui, en fait, on était en réunion du département de Bakel. Là, en fait, l'association de Bakel a convié ces jeunes enfants, ces jeunes compétences, déjà pour leur expliquer les projets en cours de leur association et mieux les intégrer dans ces projets. Donc la journée s'est bien déroulée. Et maintenant, nous voudrons avoir le ressenti d'un des organisateurs, M. Doudou Konaté. M. Konaté, vous avez la parole. Voilà, moi je m'appelle Doudou Konaté, je suis natif de Bakel. Je suis le chef de projet de l'association des rois de Bakel. Moi, je suis très content de cette demi-journée, puisqu'on a pu réunir pour la première fois, et je dirais que c'est historique, 40 jeunes de divers horizons, des France, de Bakel, France et Rémon, qui sont venus nous écouter, nous entendre et nous donner leur point de vue sur les différents projets que nous menons. Donc, ils s'associent pleinement à ces projets et on va s'organiser en conséquence. Donc, bravo et merci à tous ces jeunes qui sont venus nous rencontrer pour être imprégnés des réalités de Bakel. Et réellement, M. Konaté, qu'est-ce que vous attendez des jeunes ? Écoutez, moi j'attends des jeunes, ce que j'ai entendu, hein. Je sens qu'ils sont motivés, qu'ils avaient manque et qu'ils avaient soif d'information, qu'ils avaient soif d'être intégrés dans les différents projets. Et je pense qu'il y a des compétences qui sont révélées et je pense qu'ils viendront nous rejoindre et nous aider à réaliser nos projets. D'accord. Merci M. Konaté. Nous allons nous tourner vers M. Kanté qui va aussi nous donner ses impressions sur cette journée d'aujourd'hui. Oui, cette journée pour nous, c'est un espoir qui se concrétise. Parce qu'on sentait quand même sous-jacent qu'il y avait cette jeunesse qui avait besoin de savoir, qui avait besoin même d'être reconnue et qui attendait cet appel. Donc, à notre grande surprise, ils ont répondu présents avec leurs projets, leurs idées et leurs compétences. Et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour la communauté bakeloise. Ok. Merci beaucoup. Bon, en fait, là, on est avec les jeunes. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions sur cette journée d'aujourd'hui ? Beaucoup de choses sur laquelle on ne connaissait pas. Et je trouve que c'est très enrichissant. Ok. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un peut me donner ses impressions sur cette journée d'aujourd'hui? Je crois que Madame Jaco a quelque chose à dire. Bon, enfin, tout vient, on va se renseigner pour ça. Vas-y. Non, mais si, Non, mais on a quelque chose à dire. C'est intéressant. C'était une très bonne impression. Très bonne impression. Très bonne initiative, je vais dire. Et voilà, je pense que tout le monde est content. C'est pour première étape. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, il faut avancer, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez réellement la volonté de vous pencher sur ce dossier et y travailler pour prendre le relais? Franchement, la discussion elle a été courte, hein, et il y a encore plein de questions. Je pense que voilà, faut que le dialogue soit stable. Et mobiliser beaucoup de personnes, c'est important. Ok, merci. On est encore toujours avec les jeunes de Bakel. Là, nous sommes avec M. Camara. On aimerait qu'il nous donne un peu ses impressions sur cette journée. Pour moi, c'est vraiment un point positif, en ce sens que ça nous a permis déjà de nous revoir. Hein. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revu comme ça. Mais c'est revoir un peu Bakelois et puis les projets à venir. Je pense que c'est vraiment développé vraiment renouvelé plusieurs fois. Quoi. Ça va souhaiter aussi que d'autres nous rejoignent pour que Bon, je vous remercie beaucoup. Merci à moi. Excusez-moi, est-ce que mademoiselle pouvait me donner vos impressions sur la journée d'aujourd'hui? C'est la première fois que je participe à cette journée. Et je trouve que c'est très intéressant de voir ce réunion et de voir les projets qu'on peut mettre en place pour aider Bakel à se développer. Et j'espère en fait que cette journée-là va permettre justement de créer des liens et de mettre toutes les compétences en commun et arriver à apporter quelque chose à Bakel. Je vous remercie beaucoup.
Excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions sur cette journée d'aujourd'hui? D'accord, alors j'ai bien aimé cette première réunion. C'était intéressant et j'ai pu pas mal voir une première. Ok. Est-ce que cette vous avez pleinement envie de participer à ce projet, de mener à bien ce projet? Oui, justement, je suis portée volontaire pour organiser la soirée du 2 avril. Par la suite, vraiment m'investir dans cette association. Ok, on vous souhaite bonne chance et merci beaucoup. Monsieur. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me donner vos impressions sur cette journée d'aujourd'hui? Oui, j'ai eu. Et est-ce que vous avez réellement envie de participer, de mener à bien ce projet que, la première génération a envie de vous léguer? Bien sûr, parce que déjà nous, Bakel, on ne connaît pas forcément Bakel. Tu viens de quelle famille de Bakel? Ce sera pas possible. Bah oui, mais moi, je vais faire un mariage de Manchita. De la famille de Boubacar Sissoro. Ok, tu t'appelles comment? Mariam Sissoro. Bon, on est avec, entre autres, le relais de cette journée. On est avec Aminata, qui assure le relais entre les vieux et, disons, les jeunes. Est-ce que Aminata peut nous donner ses impressions sur cette journée? Si vous... Ça, c'est pour aller où, ça? Bah, quelle info? Donc, on va voir ma tête à Bakel. De ce fait, vous avez perdu partout, attention. Droit d'image. Non, moi, je donne pas de parole. Juste une parenthèse avant que... Apparemment, Aminata ne veut pas donner d'impression sur cette journée. Si, mais juste une parenthèse. C'est, je suis comblé aujourd'hui d'avoir ces jeunes devant moi, mes enfants. Pas, je ne peux pas dire mes petits-enfants, je ne sais pas si c'est ça, mais surtout mes enfants qui sont venus massivement pour soutenir nos projets. Et d'ailleurs, nos projets, c'est leur projet. Tout en espérant qu'il y a une continuité dans tout ça. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, M. Badji. Ben voilà, on était avec les Bakeliois pour une réunion d'information concernant des projets en cours. Et on remercie tout le monde d'avoir participé à cette réunion et on vous dit à la prochaine.